Salam alaikum, ya al salam. Donc, je reviens continuer sur ma lancée. Le sujet politique, en fait, sur l'opposition en Algérie et puis le changement qu'on est en train de discuter depuis un moment, en fait, on discute du changement, révolution, etc., etc. On remarque bien maintenant, c'est-à-dire le terme changement, il naît comme ça, comme des champignons, comme des champignons. Tout le monde s'est mis au changement. Même Boudjara Sultani, il appelle au changement. Même Belkhadmi l'appelle au changement. Bouteflika appelle au changement. Le DRS appelle au changement. Tout le monde appelle au changement. En fait, c'est pour, à mon avis, hein, c'est pour noyer le sujet, en fait. Dans une tonne comme ça de trucs, personne ne comprend personne. Ça, c'est une méthode, ils l'ont toujours utilisée. Moi, je voulais revenir sur le changement tel qu'on l'a proposé et discuté sur le quotidien algérie.org, l'appel du 19 mars 2009 pour le changement en Algérie. Et je voulais aussi revenir sur le front du changement en Algérie. C'est l'équivalent du front de libération nationale dans le temps. Maintenant, il y a le front du changement national, le FCN. Donc, un peu comme l'appel du 1er novembre, il s'agissait de changer de dawa, changer la donne, aller vers l'istiqlal, faire la révolution pour l'istiqlal. Bien sûr, en 54, c'était du colonialisme, du coup, il a fallu faire une révolution violente et tout. Nous, sur LQA et sur l'appel du 19 mars, etc., du moins, tel que moi, je l'ai toujours, vous savez, moi, je les défends. Je crois que c'est une bonne idée. Elle est sincère. Elle est très lucide, sage. C'est des gens sages qui m'ont salé d'incidents et tout. C'est des gens lucides, sages, ou surtout, ils ne manœuvrent pas. C'est très important. Ils ne cherchent pas les intérêts ta'ou, etc. Combien de fois il me l'a répété dans des échanges, Salah Dissidoum, Gali, retiens ça, le jour où on aura atteint ce changement, constituante, etc., on remet les choses sur le bon chemin. Gali a dit plusieurs fois, texto, Gali, je prends ma retraite. Je prends ma retraite politique. Comme il dit, il cherche pas de poste, etc. Comme beaucoup, en fait. Beaucoup cherchent des postes, cherchent de l'argent, etc. Alors que l'intérêt suprême de l'Algérie, c'est pas ces gens qui vont le défendre. C'est Hadou, ils défendent leurs intérêts personnels. Des fois, ils se cachent derrière les grands slogans, mais les intérêts personnels. Moi, je sais que dans l'appel du 19 mars, depuis le début, les idées, les revendications, d'abord, personne ne parlait de changement il y a un an de ça, quasiment personne ne parlait de changement. Mais chez personne, il y a des éléments dans la société qui parlent de ça. Mais ce n'était pas à la mode. Maintenant, c'est Gutlek, c'est Roche sur Facebook et tu vas voir combien une tonne d'anonymes. Qui tous appellent au changement, chacun son détail, hein. Ces changements comme ça, changements. En fait, en plus, c'est des anonymes. Je dis, moi, pour moi, il y a un noyautage, en fait. On veut, c'est-à-dire, une information à Agda, tu lui mets une information autour, on de tous les matbench. Mais sinon, je sais que l'appel du 19 mars, ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. La chose, elle a été discutée et rediscuté énormément. 2 ans d'échanges, c'est des échanges sérieux, c'est-à-dire, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, quel changement, pourquoi, etc., etc. On a vraiment avancé, moi je trouve, moi j'ai suivi ça en tant que citoyen, Mouatan, on te bat et je les soutiens. Franchement, je l'ai dit, je l'assume devant tout le monde, normal, je le défends. Je dis aussi, il ne faut pas faire confiance à un goul, comme c'est mon avis perso. Mais c'est mon avis perso. Il y a des gens qui veulent aussi salir. Ils n'ont pas d'argument. Ils l'apportent, c'est bien. Au contraire, chiche, mais chiche, c'est-à-dire celui qui peut démonter les raisonnements, yallah, marhaban bikoum. Mais ceux qui veulent insulter, etc., c'est-à-dire justice ou c'est de la diffamation et tout, elle dit, mettre m'chiche. Et j'ai remarqué, Bli,
Parce que l'appel du 19 mars, le front du changement national vers lequel on va là, et ça va être bientôt, c'est-à-dire, je vais pas m'étaler, on va laisser les choses, elles vont être déclarées officiellement en temps voulu, de la manière la plus comme il faut. Mais ce changement et tout, ils ont peur, beaucoup ont peur, y compris dans la classe de l'opposition algérienne. J'espère que les gens ils vont comprendre ce que je dis en fait et je peux m'expliquer. Même dans l'opposition, ils ont peur à l'air parce que un vrai changement, Tahir Djidri, il khouf hadou nes li profitioum la situation. Andik nizam, nes nizam, y profitioum. Ou qu'il y a une fin de l'année, mais ils profitent, je suis Mahgorin, etc. Mais un des l'opposition et tout, ils ne veulent pas, ils ont peur que ça bouge. Hakda, on est bien, certains ils sont députés, d'autres ils veulent être députés. Hakda, un pouvoir. En plus, les gens, ils sont un peu. J'ai vu Bli, plusieurs fois, j'ai vu Bli, les gens, ils sont un peu bizarres. Parce que des fois, c'est. Nes, un domaine mouchkil, par exemple, psychologique. Il veut être un an. C'est-à-dire, il veut être le chef, c'est tout. L'essentiel, gars, il n'en a rien à foutre. Il veut être le chef parce que sûrement, il veut prouver quelque chose dans sa personne. Okay, Nes, un petit pouvoir de rien du tout, ça y est, c'est bon, c'est ce qu'il veut, il veut le garder. L'un du pouvoir, il veut le garder. Il veut avoir plus ou là, il veut garder le pouvoir. Ou quand on parle de changement radical, le changement radical. Les seuls, les marahoum, le changement radical, à mon avis, c'est un avis perso, ou ils se sont immolés, dans des barques ou raho tu vois la situation est tellement mal que il veut un vrai changement radical et un changement sincère et c'est pas un changement manœuvré le clan hada mal le clan hada etc j'ai remarqué et c'est un avis perso chab il en a marre de ça qui le elle veut changer de système. Et je pense que le sujet, c'est celui-là. Moi, perso, je me suis, c'est-à-dire, j'ai apporté mon soutien et j'essaie de faire mon maximum avec les moyens que j'ai pour aller dans ce sens, un vrai changement. Actuellement, on voit dans la situation politique, Rahomi manœuvré ou. Un clan comme ça, il veut profiter de la situation, ben il dit le clan ou d'autres, ou bien il y a des Knesset, je l'actualité algérienne, Bli, l'opposition et tout, ils veulent soutenir un clan contre un clan, le DRS, Bouteflika, etc. Moi, je suis avec les gens qui veulent un vrai changement. La Bouteflika, le DRS, la dictatoria, khalas, dictatoria, les mchab, houa li qarar, c'est fini. الناس هذو يقروا في بلاصة الشعب سي فيني هذا هو اللب المشكل يفو اون ليجيتيميتي بوبولير اي طون كو ليتا لو ريجيم شي ليتا لو ريجيم هذا النظام هذا صدير الناس اللي تحكم وتحكم بالقوة ولا مانيبيولاسيون والحقرة اتسيتيرا يحكموا بلي سي ار اس شفنا كيف لي سي ار اس تلاش با ريسبيري ou là même la classe politique les habine barki manœuvrer habine dire au tailleur dans le نظام نطيحو هذا ونوضو هذا etc. ou شعب نخليوه من اللور moi je ne suis pas d'accord je soutiens les gens qui disent il nous faut un changement radical un vrai changement qui concerne tous les Algériens tout le monde est concerné ou la rak chabi ou la rak politique ou la rak association ou la rak étudiant ou l'idéologie islamiste, ou l'idéologie démocrate, ou quelle que soit l'idéologie tac, même Nes dakhl, par exemple, ou l'Arak Jish, Nes fil Jish Thani, a dit, c'est-à-dire, c'est Mouatanin, ou Jish, mais Mouatan Thani, c'est un citoyen, c'est Mouatan Jazairi. Ceux qui veulent un vrai changement, on tchlaou le système, l'Qdim, le Jazair. Je pense que tout le monde est concerné, c'est mon avis perso, tout le monde est concerné, tous les patriotes sont concernés pour un vrai changement radical, radical, qui m'a dit Salahdine,
radical, ماشي au sens extrémiste. Radical, ça veut dire تروح للب المشكل. Tu vas à la racine du mal. وين كاين le mal, tu le changes. Et pacifique. Pacifique parce que 10 سنين guerre baraquette, c'est-à-dire surtout pas de guerre, surtout pas de mouta ou la. On doit utiliser tout ce qu'on a comme capacité. Gare la force tana, c'est un changement radical et pacifique. Mais chez l'ONF. L'ONF, d'où l'allait dire l'ONF? Elle est responsable de ça. Mais chez Chab, elle est responsable de ça. Et on appelle d'où la, mais dire chez l'ONF. Mais d'abihom. Voilà ce que je pense. Je reviendrai en détail. Là encore, Rani, j'explique les fondements. Les fondamentaux, les détails, on peut les discuter. قالك واحد واش نديرو من بعد نغيرو واش نديرو من بعد بان نديرو دولة جزائرية قوية avec des institutions قوية etc etc ça c'est aussi un sujet on peut le développer mais les gens qui font peur et tout ils disent quoi on peut rien faire après etc واش نديرو ça dit le système هذا خير non le système هذا il a atteint ses limites maximales c'est un cancer il a atteint le stade final et. Voilà ce que je pense, c'est juste un avis personnel. Ou la relate, cette affaire-là, s'il y a des gens qui veulent discuter de ça, changement politique, comment vous le voyez, et on reviendra sur le sujet aussi du Front National, du Front du Changement National, le FCN, un appel à tous les Algériens, quelle que soit ta chapelle politique, à rejoindre ce mouvement pour changer les choses, changer radicalement et pacifiquement les choses, encore une fois. À tout de suite.